public contre l'équipe de Game One. A chaque fois, on va changer de jeu, bien entendu. Street Fighter 5 sera le premier niveau. Essayez de vous organiser le public s'il y en a qui veulent jouer. Si jamais dans le public, je sais que je ne suis pas fort sur Street Fighter 5, peut-être je vais laisser quelqu'un d'autre y aller. Il va falloir être très stratégique. Alors, ça va commencer par Street Fighter 5. Le boss de niveau, le dernier que vous affronterez sur Street Fighter 5, sera Genius, spécialisé dans les jeux de combat, ce qui est normal. Ensuite, on va monter d'un cran avec un jeu de voiture. D'accord? Il y en a beaucoup qui connaissent, voilà. Je ne dis pas tout tout de suite. À chaque fois, on va monter d'un cran, ça va être le public. Si je passe les trois niveaux, j'arrive au boss de fin, je gagne, je marque un point pour le public. Si jamais c'est l'équipe de Game One qui vous bat, un point pour l'équipe de Game One. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris les règles du jeu? Est-ce qu'on a des gamers dans le public déjà avant tout? Il y a des joueurs, il y en a qui savent tenir une manette dans les mains? Très bien. Ils vont arriver dans un petit instant, on est en train de mettre toute la partie technique en place. S'asseoir là, regarder sur cet écran, et bien sûr, le public va pouvoir tout regarder sur l'écran géant qui se trouve juste derrière. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la salle, levez la main, qui suivent la chaîne Game One? Ah d'accord, on a des connaisseurs, c'est bien. Vous allez vous régaler parce que dans un instant, vous allez voir en chair et en os. Du Mang Game Show, nous allons recevoir, je dis bien, Monsieur Marcus. Pourquoi Monsieur Marcus? Parce que Marcus, tout simplement, ça fait déjà très longtemps qu'il œuvre pour la promotion de la culture vidéoludique. Tout simplement, sur la chaîne No Life également, on le voit souvent dans ses émissions, il fait du let's play, pour ceux qui regardent. Il a commencé il y a très longtemps. Fan de rétro gaming à la base, c'est un connaisseur. À lui tout seul, c'est une encyclopédie vivante. Il connaît presque tous les jeux qui sont sortis à l'heure actuelle. Je pense qu'il est presque incollable là-dessus. À part peut-être les jeux qui ne brillent pas justement par leur réalisation, effectivement. Il y en a eu malheureusement pas mal dans l'histoire du jeu vidéo. On profite pour faire une petite dédicace à nos copains de Fadagame juste à côté, qui sont juste là, voilà, ils nous font coucou. Ils sont de Draguignan, ils sont juste à côté. N'hésitez pas à faire un tour au magasin, ils sont jeunes, ils sont bien dynamiques et tout, ils vous renseigneront avec plaisir pour tous les fans de rétro gaming. Voilà, ils ont plein d'autres jeux, ils n'ont même pas pu tout emmener tellement ils en ont. N'hésitez pas à faire un tour Fadagame. Ah, on a Mister Genius qui est en train d'arriver. L'équipe de Game One, ici, c'est un honneur. Ils sont prêts à vous buter, hein. Ils vont vous démonter les uns après les autres. Kitty, c'est très énervé, hein. On l'a croisé tout à l'heure dans la foule, là, elle était fâchée, hein. Ça va jouer très serré. En cas de défaite du public, on tenait quand même à signaler que les consoles ne sont pas truquées, hein. D'accord? On les a vérifiés, moi et l'équipe juste avant. Les consoles sont bien en norme, il n'y a pas de souci. Hein. C'est 1, 2, 3, et c'est 1, 2, 1. C'est bon.
casque et les deux micros fixes pour le public. Les derniers petits réglages techniques en place, la magie de la technologie, voilà. C'est un retranscription écran géant. Le public, je pense, a déjà fait sa stratégie. Qui a l'habitude, dans le public, lever la main, de jouer à Street Fighter 5? Levez la main pour voir. Ouh, ça va être un véritable carnage, je crois. Aïe, 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 on est mal. Si jamais on demande du renfort au niveau du public, au niveau de la scène, s'il y a un joueur de Street Fighter 5, parce que là, ça va pas rigoler. Genius ne va pas faire de cadeau, je crois. Non, merci. Il va être sans pitié, je crois. C'est dommage, ça sera filmé, hein. Est-ce qu'il y a des joueurs de Rocket League dans la salle? Ouh, d'accord, ah oui, là ça va être autre chose là. De bon niveau, j'espère. Ok. Et Soul Calibur 5, il est un petit peu plus ancien, normalement il devrait y avoir des joueurs. Ah, on a quand même des joueurs. Au fond là-bas, monsieur, il a l'air pas mal, il me semble que j'ai déjà vu jouer quelque part, il me semble. Et on salue nos amis de Micromania qui viennent d'arriver avec monsieur Steve et sa jeune mariée. Bienvenue. Dans un instant, l'équipe de Game One face au public, ici même, sur l'arène du Mans Game Show Fréjus. Le premier jeu sur lequel va se disputer cette rencontre est Street Fighter 5. Nous sommes vraiment embêtés parce qu'apparemment il n'y a pas de joueur de Street Fighter 5. Genius va donc pouvoir s'échauffer tranquillement. Pendant qu'on choisira... Ah, mais c'est secret ce que tu viens de dire. Alors ils vont arriver sur scène. Alors le premier que je vais présenter, bien entendu, c'est le parrain de Mans Game Show Montpellier, une encyclopédie vivante. Il est dans le métier depuis très longtemps. C'est notre papa à tous, à nous les gamers. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mister Marcus, messieurs dames. Marcus, bienvenue au Mans Game Show, Marcus. Merci, maman. Allez, pour le rejoindre. La victime. Allez, petits amis. Son acolyte. Le grand. On garde le meilleur pour la fin. Non, c'est les fans d'abord, il m'a dit. Marcus qui m'a dit les fans d'abord. On garde la meilleure pour la fin. Ouais, moi je veux bien venir. Celle la plus incroyable. On demande le joueur de Tekken, Mister Genius de Game One. Bonsoir, Genius. En chair et en os ici à Fréjus. Bonjour. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, la jeune et belle Kitty qui excelle sur Call of Duty. Kitty. C'est délicieux, c'est délicieux, évidemment. C'est pas un compliment, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas un compliment de faire, je crois. Ouais, bienvenue à Fréjus, Game One, c'est vraiment un grand honneur de vous recevoir ici. On est content. Dans un instant, on va commencer le petit carnage. Donc, on a expliqué un petit peu les règles du jeu. Ouais. Marcus, est-ce que tu peux réexpliquer peut-être très rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre à présent? Ah oui, ok, ben, merci. Et merci pour l'introduction. Merci. Content d'être une encyclopédie. Aussi lourd qu'une encyclopédie. L'année dernière, t'es un petit peu humilié, donc je me dis, je vais revenir me venger et j'ai amené du renfort! Yes! Non, en fait, attention, le meilleur. On joue pas. Ah, vous jouez pas? Non, je joue pas. Vous allez me laisser dans la merde, c'est ça? C'est le traquenard, c'est le traquenard. On va mourir, en fait. Ah, c'est terrible. Bah, moi, je comptais sur vous, c'est un peu dommage. Ah non, non, c'est mort. Okay. C'est mort. Bon, bah, je vais essayer. On est là avec toi, alors qu'ils sont avec toi. C'est derrière moi, loin. Oui. Alors, c'est quoi ce bruit bizarre? Ils arrivent. Bah, ils arrivent. Ils arrivent. Non, c'est Mars Attack, il y a un vaisseau qui est en train de se poser. Pourquoi? Pourquoi ce larcène? On est trop près. C'est le ventre de Marcus. On peut pas être à la fin. Il a faim. Il a faim. Ça va exploser. Alors, les petits amis, bah, comme d'habitude, on va vous affronter. Sauf que, comme j'ai amené du renfort, ça devrait mieux se passer pour moi cette fois.
on va essayer de compter les points et on va changer de jeu à chaque fois. On va préparer quelques jeux. Alors, on n'est pas sûr qu'ils marchent tous, on va vérifier en cours de route. Donc on va, chacun de nous va choisir un adversaire. Alors, évidemment, des fois ça va être un peu le terrain de Genius, des fois ça va être un peu le terrain de Kitis. Ce sera jamais le mien, de toute façon je suis mauvais à tout. Donc voilà, on risque absolument rien. Vous avez des grandes chances de me battre, peu de chances de battre Kitis et aucune chance de battre Genius, qui est très énervant, parce qu'il est bon à tous les jeux. À du niveau, donc franchement, on va faire. Donc, on va essayer. On va commencer avec un petit Street Fighter. Qui est fort à Street Fighter chez vous? Je vous rappelle que vous allez affronter ces deux-là. Hein. Donc, il faut du level, pas du kéké de battre. Là, il a eu du team. Alors, je propose qu'on choisisse chacun un adversaire. Qui dit si tu commences? Mais non, Roda, on avait dit tout ça. Je suis monté en deuxième. Tu commences à choisir. Après, ils m'affronteront moi d'abord, ensuite toi. Et ensuite Genius qui a priori est le meilleur de 3 à Street Fighter. C'est si facile, moi tu sais. Alors qui veut faire Street contre moi? Alors, qui veut faire Street contre moi? Alors, voilà, la motivation même. Voilà. Ça, alors, attends, alors fais-le monter, il est où? Tu ne dois pas. Fais-la monter, bien sûr. Bien sûr. Genius, choisis ton adversaire. Alors j'aurais choisi cette dame, mais comme il y a déjà une dame, c'est ton copain à côté? Ok. Ah bah alors viens, allez, il va se battre pour toi, Voilà, j'espère qu'il y a toujours. Prochain. Qui veut m'affronter moi? Même un enfant, c'est facile. Hein. Surtout un enfant. Surtout un enfant. Eh bah prenons un enfant, voilà. Mais quelle honte, Marcus. Quoi? Quelle honte. C'est vous qui va me défoncer. C'est pas possible. C'est tellement possible en fait. Ah, je suis sûr que c'est possible. C'est totalement possible. Alors, on a un petit micro pour accueillir nos petits amis. Notre premier petit ami, on commence par la petite, la concurrente de Kitou. Oui. Tu viens avec allez, nous? On l'applaudit, on courage. Allez. Salut. Bonjour, oui, on se connaît bien. Comment tu t'appelles? Tatiana, mais oui. Katiana. T'es forte à ce calibre. Oh, bah merci.
Alors, Mathéo, tu veux quoi comme personnage? Yes, j'étais loin. Le blanc après Marcus. Chun-Li, moi j'aimerais bien. Ah, mais je vais garder Chun-Li.
La team game one, les gars. Ah, ça commence, ça commence. Ce n'est que le début. Attention, c'est parti. Ah, le son, le son qui arrive. Avec Kitty, sa distance, c'est bien joué. Elle est pas de... Voilà, le choix du game, c'est bien joué. Et puis, bah, toi...
fumée est pas censée. Hein, c'est très cool. Applaudissements. T'es merdique à Calof. Oh merde, Jeanne appelle ça Calof, c'est bon signe. C'est parfait pour toi. C'est Calof, parce que sinon on peut faire la blague coloscopie, elle marche pas avec Calof. Calof, ça marche pas. Calof. Non, Calof. C'est pas trop ballon. C'est bizarre. Donc vraiment, t'es pas bon au FPS? Non. Mais pourquoi t'es venu alors? Parce que j'avais envie de tester, j'avais envie de jouer. Oh bah ben, voilà, c'est ça, c'est le fair play. C'est beau, c'est beau. Franchement, applaudissez-la déjà. Franchement, voilà. Et quand il a bon esprit comme ça, bien dans le monde. Alors ensuite, toi, bah, ici, parce que tu vas m'affronter en premier, on va faire venir le deuxième candidat, donc celui que Genius a choisi. Ouais, malheureusement, c'est pas... Viens, mon petit gars. Il s'en fout. On est là, hein. Tu viens de battre. Allez. Il est déjà blessé. Applaudissez-le. Allez, il est chaud. Il est déjà fatigué, surtout. Non, mais si, je joue à Call of. Tu joues à Call of un peu ou pas? Ouais, et mais genre bien grave avec des potes en ligne le soir et tout. Ah voilà, merde. Comment tu t'appelles? Tu n'as pas dit. Comment, John? John. Oh pardon. John, c'était plus, ça faisait... Ouais, John, non, c'est John. Chuck Norris, tu vois. Mais John, c'est pas mal, non? Allez, joue, ça va dire. J'ai dit que plus on les prend jeunes à Call of Duty, plus ils sont forts. Et lui, il a 16 ans, le problème, que ça va être compliqué. Alors, pour Kitties, oui. Tu vas choisir, ça y est, c'est prêt? Oui, normalement c'est prêt. Ok, tu choisis un candidat? Allez, on va faire un duel. Oh là là, alors c'était bien parti. Attends,
Oui, c'est vrai, j'ai un peu rattrapé ma bêtise. Il veut changer des choses, déjà, il veut m'embrouiller. Les classes sont prédéfinies, on a... Alors vas-y, vite, vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vas-y, je vais changer. Alors t'es comme ça. Alors t'es comme ça. Ah bon, alors, comme, tu préfères qu'ils soient handicapés. C'est bien. Qu'il y ait un handicap dans le jeu. Déjà qu'il est blessé, franchement, c'est chaud. Bon, les amis, il n'y avait pas beaucoup d'encouragement pour Fréjus. Ah, je veux vous entendre gueuler un petit peu. Ah, Johan, il se sent soutenu, vous voyez. Alors, tout à l'heure, équilibre. Ah, beaucoup de soutien. Équilibre. Allez, c'est parti. Allez. Johan, il a l'œil du tigre, ça rigole pas du tout. Donc là, j'ai juste fait attention. Alors. C'est vrai qu'en fait, ah, ça y est, je vois le radar sur le petit écran. Ok. Il y a tout qui est parti à sa recherche. Ça y est. Je vois rien du tout. Oui, tout de suite, je vois rien du tout. Allez, premier duel. Allez. Voilà. C'est Vénus qui l'emporte, le premier duel. C'est un ensuite. Regarde sa tête. Ah ouais, non mais... Ça y est, non, il est à fond. Non. Regardez bien le visage de Génus quand il joue. C'est l'article le plus intéressant. Mais je ne vois rien. Ah, j'y vais, j'y vais.
franchement, il a fait une belle montée sur la fin, mais il a quand même pris cher. C'est magnifique. Applaudissez Yvan, les amis, c'est votre deuxième point. Bon. On est à 3 à 2. Bon, allez. L'heure est grave. Qui tout l'heure est grave, c'est sur toi, ça sort. Je vais essayer. Je donne tout. Ah ouais, c'est zoomé là. Alors. Il est parti le gars, il est même pas resté. Il est manarqué, il est parti. Bon, avec Gekou, tu sors pas là. Tu sors l'honneur, hein, tu sors l'honneur Gekou. On va essayer. Allez Gekou. Bien joué. On se retrouvera. Tu veux le faire. On va pas longtemps. C'est bon. Allez, parti. Subite, non, il y a... Non, ça y est. Oh là là, elle creuse l'écart, la Kitou. Elle creuse
On est plus sur Paris. Allez, c'est bien joué, c'est bien joué. Attention. Attention. Oh Le pote des joueurs du bonnet. Ouais. Mathias, mon pote à moi.
Je crois que c'est vous tombez là. Je ne suis plus sûr. Alors, c'est quoi, je vais vous faire la garde, mais. Tu crois que c'est ton père, la garde, c'est celui-là. Mais je joue jamais, moi, tu sais pas.
Non mais franchement c'est lui.